Le robot laboratoire Philae a atterri sur la comète Chury le 12 novembre 2014, légèrement de travers et à l'ombre du Soleil. Muni de plusieurs instruments de mesure, il a travaillé pendant 60 heures. Il s'est ensuite repositionné légèrement et endormi, faute de soleil pour recharger ses batteries. Après 7 mois d'hibernation, Philae s'est réveillé dans la nuit du 13 juin 2015. Ses panneaux solaires étaient exposés à la lumière de l'astre et le robot a pu reprendre ses recherches. Après ce premier réveil, plusieurs connexions ont été effectuées, suivies de longues pauses, afin de ménager les batteries. Mais il est redevenu muet depuis le 9 juillet. La sonde Rosetta a quant à elle continué son escorte auprès de la comète Chury. Après un voyage interplanétaire d'une décennie et plus de 6,5 milliards de kilomètres parcourus, Rosetta est le premier véhicule spatial de l'histoire à avoir effectué un rendez-vous cométaire.